voilà comment elle casse ses affaires. Il descend les chemins. Ça fait. Et pou. Oh là 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 là. Demi-quintal et qui sait gambader et se cacher très facilement parmi la végétation. Alors, hop, oh, là-bas, c'est bon, nous l'avons repéré. Alors quand on repère un pou, il n'y a qu'une technique à faire, le pou ne court pas très vite. Il suffit donc de lui charger dessus. C'est parti, on y va en courant, marteau à la main, et on les déboîte. Un grand coup sur la caboche. Le pou court, il nous a vu. Il y va, il court, il a envie de fuir. Nous les voyons fuir en courant. La peur au ventre, elles savent que le marteau finira leur tête de toute façon. Ça y est, la chasse du pou arrive à ses termes. Il ne peut plus courir, l'animal est terrorisé, et d'un coup... Maintenant, il s'agit de lui foncer dessus, il s'agit de l'écraser, un coup de marteau, c'est bon, on y va, on le dit, on le fait, et le combat va débuter, le pousser mis en posture de guerre, oh là 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 là, ça va barder, oh, combat titanesque, les deux ennemis se jugent et se regardent, c'est un combat de marteau. On rajoutera les effets spéciaux lors de la sortie du film. Ah ! Et c'est un coup de cul vainqueur